L'amor i la guerra, la sal de la terra. Être Dieu. Être Dieu. Être Dieu qui n'est pas une blasphème, mais au contraire, cette possibilité de que vraiment Dieu forme part de notre moindre substance, pas seulement animique, mais même matérielle. Ils argentent la route qui mène de Rouen à Paris. La Normandie ne sera plus jamais celle de Guillaume le Conquérant et de Jacques d'Arc. Une grande tuerie, dans une crise de dépression, a gobé le meilleur plongeur sous-marin de la Baltique, alors qu'il cherchait le soutien-gorge de la reine de Saba dans les bases d'un bateau éthiopien. Madame Princesse Crick de la Rique de Philippon dans l'état de Iowa a donné le jour au mari de sa voisine, Madame Patricia Princesse Crick de la Rique. La mère et le nouveau-né sont en parfaite santé et redressent fièrement leurs quatre têtes souriantes. Je demande au secrétaire général des Nations Unies qu'Auguste Comte et Marilyn Monroe soient proclamés rois et reines universels en exil. Et que dans toutes les discothèques et librairies de gauche,
il leur soit rendu les honneurs réservés à l'ange consort. Quant à Mao, je rappelle qu'en 1960, j'ai prédit qu'il unirait un jour la Chine et les États-Unis pour la domination du monde. Bon, déjà, il mettait en cause les Nations Unies que le divin Dali, au moment de la révolution de mai, avait proposé qu'il devienne un bordel. Parce que c'est un endroit dédié uniquement à la nuit. J'ai proposé cette innovation à que l'unité, l'Unité Nations, devienne un endroit de plaisir. Et ici, il est nécessaire que je rappelle qu'à l'époque de Louis XIV, Ledoux, le plus grand architecte de cette période, avait fait une maison de plaisir, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement un bordel, avec les plans d'un phallus avec, dans lequel je crois que dans un des testicules habitait la concierge. Les plans existent et Ledoux, qui était un architecte glorieux, avait été freiné immédiatement par le bourgeoisisme naissant de la Révolution française, parce que la Révolution française n'est pas autre chose que le passage de l'aristocratie à la bourgeoisie. C'est l'apothéose du régime bourgeois. Et probablement, grâce à Marilyn Monroe et à Mao, il peut y avoir des nouvelles monarchies avec des ferments anarchiques. Dans un décor stylisé au milieu d'un brouhaha indescriptible, on voit un cœur, un corps de ballet, et Dali, qui peint une scène dominicale, tandis que Gala n'arrête pas de monter et de descendre par l'ascenseur. Le monde était un paradis destiné à être mystifié par l'homme. C'était dans la nature des choses. Au commencement, il y eut le Verbe et presque rien de plus. Ce fut déjà un miracle que du néant puisse sortir quelque chose.
Un ange s'adresse à Dali. Les girafes, tu dois les accepter, ô divin Dali. Tu les as peintes avec des coups démesurés, avec des coups en flamme, en flamme, en flamme. Elle conservait parce que dans l'anus de chaque girafe, comme que Dali est légèrement prudent et phénicien, il avait mis la précaution d'introduire des cartouches de dynamite. Et c'est pour ça que les Marx Brothers étaient tellement enchantés quand je dis, regardez, dans la 5e avenue de New York, un troupeau galopant de girafes. Et soudainement, il commence à faire des explosions, des girafes explosives, lesquelles déjà portaient le signe prémonitoire d'avoir le long cou en flamme. Dali, est-ce que tu aimes les girafes en flamme? Non. La girafe est un produit désastreux de l'imagination. Il faut la faire exploser par vous entier et laisser place pour la sole très blanche, très plate et très poilue, comme une empreinte de pas, une empreinte gelée. Pour moi, le luxe, c'est de construire des sols en hermine royale, substituer les yeux avec des petits rubis, et au lieu qu'ils soient dans la mer, qu'ils soient posés comme des enveloppes blanchissimes sur des tapis le plus oriental que possible. Dali refuse la création et 3500 millions d'êtres se retirent sous la tente pour discuter d'un nouveau compromis avec la réalité.
détruit les miroirs qui renvoyaient la sérénité redoutée. Pendant que les gens vont à la recherche d'un visage, il peint des passeports pour cosmonautes. Jeanne d'Arc éponge la sueur de Dali avec les restes de la chemise d'Anne de Bretagne. La chemise d'Anne de Bretagne flotte autour de la chambre à coucher de ma grand-mère. Et alors, évidemment, j'entends moi-même, en dessous de la fenêtre, qui dit « Scarbat, boum, boum, posioli, posioli, scarbat, boum, boum, posioli dins del llum. » Al cel replà de l'escala em trobo un frare caputxí. Maleït sigui aquell frare, la puta que el va parir. Toca-li, noia, toca-li, noia, toca-li, noia, el tamborí. Toca-li, noia, toca-li, noia, toca-li, noia, el tamborí. La fête de soie.
Thank you very much.